Madame la secrétaire d'État, chère Annick, mesdames et messieurs les présidentes et présidents, madame la directrice générale, madame Descôtes, mesdames et messieurs les conseillers, les attachés, mesdames et messieurs, chers amis, j'ouvre donc l'édition 2014 des Journées du Réseau. Depuis notre dernière réunion, le nom du ministère des Affaires étrangères a été un petit peu rallongé. L'inconvénient, c'est que la facilité d'énonciation y a un peu perdu, mais c'est à peu près le seul inconvénient. L'efficacité de l'action, je l'espère, y a gagné. Ce nom reflète l'élargissement des compétences de notre maison vers, en particulier, le commerce extérieur et la promotion du tourisme. Il traduit l'orientation que le président de la République, le Premier ministre et moi-même souhaitons donner à notre action extérieure, que je résume désormais par le terme de diplomatie globale. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que les différentes composantes de notre diplomatie ne sont pas des domaines séparés qui pourraient répondre à des logiques cloisonnées et indépendantes. Toutes doivent concourir aux mêmes objectifs. Promouvoir nos principes et nos intérêts, étendre notre influence, projeter une image positive de notre pays. Elles se complètent donc et se renforcent. Et cette configuration nouvelle place le réseau de coopération et d'action culturelle au centre de cette diplomatie globale. C'est le message que je souhaite vous adresser aujourd'hui. J'aurai l'occasion de voir vos collègues davantage économiques, non pas Madame Descôtes à 12h30, parce que je serai parti, mais à midi, puisque je dois être à Bruxelles l'après-midi. Mais je voulais spécifiquement m'adresser à vous. La culture, l'éducation, la coopération universitaire et scientifique, la francophonie, sont en effet au cœur de cette stratégie globale, car elles constituent quelques-uns de nos atouts les plus précieux et les plus reconnus. Les autres aspects de notre diplomatie, diplomatie stratégique, diplomatie économique, doivent s'appuyer sur notre rayonnement culturel, intellectuel, scientifique, linguistique et de développement. Vous êtes donc, mesdames et messieurs, par vos fonctions, un élément central de notre action extérieure. Je veux tirer un exemple de l'actualité. Vous avez sans doute entendu parler des deux expositions de chefs-d'œuvre de la peinture française qui sont organisées à Pékin et à Shanghai, que j'ai moi-même visitées. Elles ont rencontré un grand succès avec plus d'un demi-million de visiteurs. L'affluence a été telle qu'il a fallu rallonger les périodes d'ouverture. Ce qui m'intéresse, ce sont les retombées positives pour la France. Oui, la culture doit irriguer toute notre action extérieure. C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'ont été conçues ces journées du réseau, et je remercie celles et ceux qui les ont préparées matériellement et intellectuellement. Elles mettent en avant quelques grands défis que notre diplomatie a à relever et auxquels toutes les composantes de cette diplomatie doivent contribuer. Il s'agit en particulier, vous allez en parler cet après-midi, de la conférence Paris Climat 2015, du développement, sur lequel Mme Girardin reviendra, de notre attractivité et de notre compétitivité. L'innovation a été utilement choisie comme dénominateur commun. Il s'agit en effet pour nous à la fois d'être des innovateurs dans nos actions et de faire la promotion, en général, de l'innovation française. Je vais y revenir. Mesdames et messieurs, pour remplir ces missions, une condition essentielle que la quasi-totalité d'entre vous mettent déjà en œuvre, mais qu'il faut parfaire, c'est de travailler de manière décloisonnée. Cela vaut par exemple pour la préparation de Paris Climat 2015. Cette préparation concerne au premier chef l'équipe chargée de la préparer, qui est désormais conduite à mes côtés par l'ambassadeur Laurence Tubiana. Mais cette préparation vous concerne aussi,
car la lutte contre les dérèglements climatiques appelle une véritable transformation intellectuelle à laquelle notre action culturelle doit concourir. Il s'agit de bien comprendre et de faire comprendre que passer à une économie décarbonée représente bien sûr une contrainte, mais surtout une chance pour le développement et l'emploi, et non un poids mort négatif contre la croissance. Alors que l'accord espéré sera conclu par consensus, le pays organisateur, c'est la France, doit jouer un rôle de facilitateur. Il s'agit en particulier de mobiliser la société civile et les acteurs locaux pour susciter une dynamique mondiale par le bas. Vous avez, mesdames et messieurs, y compris Madame Paugham, un rôle important à jouer par vos contacts, votre présence et votre action à travers le monde. Et je compte sur vous pour agir en ce sens. Dans le même esprit, nous soutenons une redéfinition ambitieuse des objectifs du développement après 2015, qui fusionne les questions de développement et les questions d'environnement et de climat. Les complémentarités entre culture et développement ne sont plus à démontrer, surtout à un moment où notre action en faveur du développement doit s'adapter aux bouleversements du monde. Nos relations avec les pays émergents comme avec les pays moins avancés doivent être partenariales, d'égal à égal. Nos moyens budgétaires sont évidemment limités. Nous devons donc faire preuve d'innovation en matière de financement afin de préserver notre rang parmi les principaux pays donateurs. C'est essentiel pour agir dans les domaines prioritaires que nous nous sommes fixés. La coopération en matière de santé, la sécurité alimentaire, notre action en faveur de la jeunesse francophone. Madame Girardin développera ces importants sujets tout à l'heure au terme de vos discussions de ce matin. En matière d'attractivité et de compétitivité, j'ai évoqué l'impact de la culture. Bien évidemment, la culture contribue à une image positive de la France et constitue aussi un atout économique puissant pour notre territoire et nos entreprises. À condition de veiller, comme vous le faites, à ce que cette image soit celle d'un pays d'innovation, d'inventivité, de créativité, d'où le fil directeur qui a été choisi pour ces journées. La complémentarité entre culture et économie vaut particulièrement dans certains domaines. Je pense d'abord au tourisme, qui est une nouvelle compétence de notre maison. Notre action culturelle suscite et doit susciter encore davantage une envie de France pour amplifier notre attractivité touristique. Vous savez que le tourisme représente plus de 2 millions d'emplois en France et plus de 7% de notre production nationale. Du même coup, nous devons nous mobiliser pour faire progresser cette compétence. Les grandes expositions à l'étranger doivent être des moments de découverte et de promotion de notre patrimoine, de notre savoir-faire et de notre art de vivre. Lors des assises du tourisme qui ont eu lieu le mois dernier, j'ai annoncé au nom du gouvernement plusieurs mesures pour développer et diversifier l'offre touristique française et pour améliorer l'accueil des touristes en France. Plusieurs d'entre elles vous concernent directement. Je pense notamment aux années croisées, développées avec succès sur le plan culturel et qui devront comporter désormais aussi un volet tourisme. Je pense au passeport talent, qui sera mis en place à l'automne de cette année dans le cadre de la loi immigration. Je vous demande d'être particulièrement attentif à la mise en œuvre de ces dossiers qui, pour moi, sont prioritaires. Autre domaine, il ne serait pas envisageable de promouvoir notre culture sans appuyer le développement international de nos industries culturelles et créatives. C'est un secteur très important à tous égards, y compris en valeur, puisqu'il représente l'équivalent des télécommunications, de l'agriculture et du bâtiment réunis. Grâce à nos talents et à notre créativité, la France est compétitive, comme le montre d'ailleurs notre solde extérieur, qui est positif, même si c'est insuffisant, dans ce domaine. Mais nous devons faire mieux. Il vous revient d'appuyer toutes les initiatives, en particulier celles des entreprises, notamment les start-up, qui associent inventivité artistique et innovation technologique et les organismes professionnels de soutien à l'exportation afin de conquérir de nouveaux marchés, d'atteindre de nouveaux publics,
de faire progresser ensemble notre rayonnement, notre culture et notre économie. L'attractivité globale de notre pays s'appuie, autre rubrique, sur l'attractivité envers les jeunes et les étudiants, d'où l'importance que j'accorde à notre coopération universitaire. Le nombre d'étudiants dans le monde qui poursuivent leurs études à l'étranger va doubler dans les 5 ans qui viennent, pour passer de 3 millions à 6 millions. Capter une part significative de ces nouveaux flux représente un enjeu majeur pour notre enseignement supérieur, notre recherche et, plus généralement, l'image de la France. La France est la 3e destination mondiale des étudiants, avec 290 000 étudiants accueillis. Elle dispose d'atouts, la qualité de notre enseignement, notre excellence scientifique, la richesse de nos offres de formation. Sur ce dernier point, élément sans doute un peu nouveau, je veux en particulier appeler votre attention sur l'expertise française en matière de formation professionnelle et dans ce domaine, sur le rôle que joue et que jouera le CIEP. Dans un contexte de concurrence exacerbée, il nous faut être offensif. C'est ce que j'attends de vous, de nos ambassades et de notre opérateur Campus France. C'est une préoccupation partagée, je l'ai vérifié encore hier, puisqu'il m'a rendu visite, avec le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Benoît Hamon. Notre action doit se porter particulièrement en Asie et en Amérique latine. Nous devons également faire évoluer le dispositif des instituts français de recherche à l'étranger et renforcer ses liens avec le système universitaire français. Nous devons tirer le meilleur profit de l'explosion du numérique, qui transforme les modes de distribution des œuvres de l'esprit, de diffusion de la pensée, de création, de production de la culture. Je ne vais pas enfoncer les portes ouvertes, mais il est évident que l'économie de la culture connaît un bouleversement profond. Notre politique d'influence doit être en phase avec ce monde désormais interconnecté. À l'automne, à ma demande, Campus France va lancer un projet pour lequel je compte sur la mobilisation de tous, une plateforme numérique à destination de l'ensemble des anciens étudiants étrangers en France, qu'on appelle en latin, renforcé par l'anglais, les alumni, alumni. Ce réseau social, nouvellement recensé, permettra de créer ou de développer les réseaux d'anciens diplômés autour des ambassades et de disputer et de disposer d'un outil d'influence utile aux universités, aux entreprises et à vous-même. Je veux aussi, en évitant le pot pourri, mentionner le domaine du sport. Je ne vous demande pas de devenir des coachs sportifs, ni d'aménager des salles de sport dans vos instituts, d'ailleurs ils sont trop petits pour cela, mais j'ai souhaité développer et même créer notre diplomatie sportive parce qu'elle constitue un enjeu linguistique, économique et d'influence considérable. Promouvoir la place du français comme langue du sport et notamment comme langue olympique est important pour l'avenir de la francophonie. Et un ambassadeur, M. Jean Lévy, ici aussi, agira dans ce sens avec l'aide de nos postes et je compte sur votre soutien. La mise en œuvre de toutes ces orientations, qui peuvent paraître différentes mais qui convergent vers l'objectif commun que je rappelais en commençant, exige une organisation adaptée. J'ai demandé à nos postes, dans les pays avec lesquels nos échanges commerciaux dépassent 50 millions d'euros, de disposer de plans d'action économique interministérielle. Ceux-ci doivent notamment expliciter les complémentarités entre diplomatie économique, culturelle et scientifique. En France même, notre organisation connaît des évolutions afin de nous rendre plus efficaces. La tutelle est désormais rationalisée pour la diplomatie économique et le commerce extérieur. La fusion de l'AFI et du Bifrance est en marche. Une stratégie est mise en place économique à l'AFD. Enfin, une réforme de notre expertise sera mise en œuvre dès l'an prochain. Tout cela, c'est le but, doit améliorer l'efficacité et simplifier les structures. Mesdames et messieurs, je l'ai dit en commençant, ce décloisonnement ne signifie nullement la dilution de notre diplomatie culturelle.
Il s'agit au contraire de la placer au cœur de notre action, de la renforcer et de la démultiplier. La diplomatie culturelle, c'est une marque de fabrique de notre action extérieure. Notre drapeau flotte à travers le monde sur des bâtiments à vocation culturelle, éducative, scientifique, instituts culturels, écoles françaises, instituts de recherche, écoles et lycées français, mouvements des alliances françaises, etc., etc. Alors que de nombreux pays investissent ce domaine, nous sommes aujourd'hui fréquemment copiés. Pourquoi pas ? Sur les 5 continents, on observe, on analyse, parfois on critique, souvent on imite notre diplomatie culturelle. Depuis maintenant 2 ans, j'ai pu mesurer, notamment lors de mes déplacements, la qualité de votre travail, la diversité de vos actions et le dynamisme de l'ensemble du réseau. Je pense par exemple, mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, au festival French May, organisé chaque année à Hong Kong, auquel j'ai eu le plaisir de participer. Récemment, j'ai constaté en Inde l'accompagnement exemplaire des étudiants indiens vers la France à travers les séminaires de préparation au départ. Il me revient par les professionnels, nos artistes et nos opérateurs, des témoignages nombreux sur la reconnaissance et l'estime dans laquelle on tient l'action du réseau. Je pense notamment aux saisons que nous lançons avec un certain nombre de nos partenaires qui sont particulièrement appréciés. Du même coup, le calendrier des prochaines années est déjà très dense. Chine et Vietnam cette année, Croatie, Corée, Israël, Abu Dhabi, Indonésie, Colombie, Qatar demain. Ces rendez-vous font connaître la création française, nos artistes, musiciens, plasticiens, danseurs, chorégraphes, architectes et réciproquement quand elles sont croisées. Notre spécificité, et j'y insiste, est de ne pas séparer la promotion de la culture française et le soutien aux artistes et aux œuvres des pays du Sud. Traduction concrète de cet engagement, plusieurs réalisateurs et films soutenus par le Fonds ou la Fabrique des cinémas du monde ont été primés lors du dernier festival de Cannes, dont la Palme d'Or Winter Sleep. Et il faudra désormais, comme je l'ai dit, ajouter à cela une dimension tourisme. Je salue également la mobilisation du réseau scientifique au service des entreprises françaises innovantes. Vous les aidez à renforcer leurs activités de recherche et de développement grâce à des partenariats internationaux. Il y a plusieurs actions exemplaires qui viennent à l'esprit. La création de clubs R&D par nos ambassades en Chine et en Inde. L'organisation en 2013 à Mexico du Forum franco-mexicain pour la recherche et l'innovation, le succès de l'Institut franco-sud-africain de technologie, l'élargissement du programme NEDVA de soutien à l'innovation à l'ensemble de l'Amérique du Nord, etc., etc. Avec le président de la République et le gouvernement, j'attache une grande importance à ces actions. Le développement de notre réseau culturel, éducatif, scientifique, est pour nous une priorité et dans le prochain budget triennal 2015-2017 et dans un contexte qui malheureusement est un contexte de baisse globale, les moyens dédiés au réseau culturel seront préservés dans toute la mesure du possible et cette mesure est très large. Je me réjouis à cet égard de la réouverture de la Villa Kujoyama à Kyoto qui est un héritage de Paul Claudel qui va pouvoir à nouveau, c'est une affaire de semaine, accueillir chaque année une dizaine d'artistes en résidence grâce au soutien de mécènes et de l'Institut français. Et je profite de cette occasion pour remercier chaleureusement le président Darcos pour son action remarquable à la tête de l'Institut français depuis 4 ans et saluer l'arrivée de la nouvelle directrice générale, Madame Talino. Et je salue aussi, ils sont côte à côte, Jérôme Clément qui vient d'être élu président de la Fondation Alliance française. Il mettra sa grande expérience de la culture au service de notre rayonnement. Ces projets, vos projets, nous devons mieux les faire connaître, y compris au sein même de notre réseau. C'est l'objet de la mutualisation des bonnes pratiques conduites par le département avec la contribution de nos ambassades. Nous devons aussi davantage les valoriser auprès des milieux culturels et du grand public. C'est pourquoi nous avons noué cette année un partenariat avec France Culture et je veux remercier son directeur, M. Poivre d'Arvor, de couvrir ces journées du réseau, ainsi que M. Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde, et Marie-Christine Saragosse,
présidence de France Média Monde pour leur collaboration, notamment pour l'organisation de la soirée au Palais de Tokyo. Le développement des ressources propres et des cofinancements constitue un indicateur, qu'on le veuille ou non, de la vitalité de notre diplomatie culturelle. L'année dernière, vous avez obtenu des résultats qui doivent être salués. En 2013, notre réseau culturel a mobilisé plus de 300 millions d'euros de financement extra-budgétaire. Afin de profiter au maximum de ces cofinancements, j'ai demandé d'apporter un soutien particulier à nos implantations les plus performantes en la matière. Cela dépend bien sûr des pays, parce qu'il y a des pays où ceci est possible et d'autres où ceci ne l'est pas. Mais un euro d'argent public dépensé, en règle générale, est plus efficace là où l'effet de levier en termes de cofinancement est plus élevé. Il faut également utiliser pleinement les instruments à notre disposition pour développer les financements externes avec nos opérateurs à Paris, Institut français, Campus France. Hier, je crois, vous ont été présentées les activités de Campus France et des exemples de mise en œuvre de programmes de bourse financés par des tiers. Le renforcement de notre diplomatie culturelle passe aussi par une adaptation de notre dispositif à la géographie nouvelle du monde. Comme vous le savez, je suis attaché, ainsi que vous tous, au principe d'universalité de notre réseau. Mais sans jouer les cuistres, universalité ne signifie ni uniformité ni exhaustivité. Une révision de la carte du réseau culturel et de coopération a été engagée parallèlement au travail de cartographie diplomatique. Elle repose sur la nécessité d'un redéploiement vers nos priorités géographiques, notamment pays émergents, Sahel, pays en crise, priorités sectorielles, climat et diplomatie économique notamment, et sur une articulation renforcée avec les autres structures qui contribuent à la présence française. Je pense aux consulats, aux alliances françaises, aux établissements scolaires et à la représentation des opérateurs. La mise en œuvre de cette diplomatie culturelle exige une bonne articulation avec l'ensemble des opérateurs du rayonnement culturel, notamment l'AEFE, l'Institut français, Campus France, Canal France International et les grands acteurs complémentaires de la diffusion culturelle, tels que les alliances françaises. Ces relations seront facilitées, je le crois, par la clarification du rôle de chacun. Comme vous le savez, j'y ai fait allusion d'un mot il y a un instant, une rationalisation de nos opérateurs publics d'expertise est en cours avec la création de l'Agence française d'expertise technique internationale qui sera effective en 2015. Vous aurez donc l'année prochaine dans ce domaine un interlocuteur unique d'expertise française pour monter la diversité de vos projets. Mesdames et messieurs, chers amis, je n'ai pas à vous convaincre que la France possède des atouts tout à fait remarquables. J'ai confiance dans notre capacité à progresser. Notre culture, notre langue, notre recherche, notre enseignement supérieur constituent quelques-uns de ces atouts remarquables, tout comme notre réseau à l'étranger. C'est pourquoi, quel que soit le champ spécifique dans lequel vous vous déployez, quelle que soit cela, votre action constitue une priorité dans le cadre de cette diplomatie globale dont j'ai essayé de dessiner rapidement les contours. Chers amis, je compte sur vous pour mettre en œuvre ces orientations. Je suis heureux à chacun de mes déplacements de vous retrouver et de pouvoir constater les actions excellentes que vous menez en ce sens. Pour tout cela, j'ai un mot. Mon travail, c'est d'assurer l'anticipation et la coordination de tout cela. Votre travail, c'est de l'appliquer. Et pour cela, je vous fais une totale confiance. Merci et bon travail.